Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, j'arrive pas à parler, mais aussi parfois de pop en japonais ou en chinois. Aujourd'hui, j'ai mon petit look avec ma visière, parce que le ridicule ne tue pas, mais j'ai l'impression de ressembler à la bergère dans Toy Story. Non? Un peu, hein? Bon, soit, whatever, j'avais décidé que j'avais envie de le mettre, donc je le mets. Aujourd'hui, je vais réagir à Trax, T-R-A-X, donc c'est un groupe de K-rock, donc pour une fois c'est pas trop de la K-pop, mais je considère que ça reste dans l'industrie musicale coréenne, donc j'y réagis quand même. Ça s'appelle Escape. Alors Trax c'est un groupe super chelou parce que donc déjà il date d'il y a super longtemps parce qu'il a commencé genre au début des années 2000. Le nom TRAX c'est pour leur nom de scène et donc il y en a un qui s'appelle Typhoon, donc Typhon. Il y en a un qui s'appelle Christmas, donc Xmas, donc Noël, donc un peu bizarre. Il y en a un qui s'appelle Attack, donc le A, et le R c'est Rose. Donc autant vous dire que c'est un peu chelou déjà les noms. Maintenant ça s'appelle Trax avec un X en plus, donc deux X, un en minuscule et un en majuscule. Et en fait c'est parce que le groupe a un peu changé. Maintenant il va un peu plus vers l'électro et moins vers le rock comme ce fut le cas avant. Puis je me suis dit que c'était intéressant de découvrir un peu ce mélange chelou. Pour info, je connais déjà la chanson parce que je l'ai déjà entendue une fois, mais c'était sur Sming. Il y a de ça genre 2 semaines. J'avais pas regardé le clip parce que j'étais en train de travailler en même temps pendant qu'on écoutait tous ensemble la chanson sur Suming. Je me souviens que à l'oreille je me disais ah c'est intéressant ce truc, j'ai envie d'y réagir. Du coup je sais plus ou moins le son que ça a. Néanmoins comme ça fait déjà 2 semaines, je m'en rappelle plus très bien et donc je me suis dit que ça allait pour pouvoir faire une réaction. Bon comme d'habitude c'est mon avis à la première écoute. Si j'aime bien je dirai pourquoi. Si j'aime pas je dirai pourquoi. Bon comme d'habitude mon avis n'est jamais fixé à la première écoute, vous le savez, blablabla. C'est parti! 3, 2, 1. Généralement, j'aime bien les trucs un peu rock, style Jap ou coréen, parce que c'est pas le rock comme on l'entend chez nous, c'est un rock beaucoup plus décomplexé et ils se permettent de faire des trucs un peu fous ou des mélodies vraiment plus pop, justement. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que bon, le rock en France ou aux États-Unis, parfois, c'est un peu. Genre, ils essayent trop d'être sérieux et tout, d'avoir un univers. Bon, là, on entend déjà l'influence électro. L'intro est super longue. Je sais pas si les 4 membres du début sont encore là ou s'ils sont plus que 2 avec l'ajout du espèce de DJ. Hein. Ça, c'est un super bon pré-chorus. Voilà. Que va-t-il se passer? Putain, c'est un peu long quand même. Allez, faut que ça pète là! Oh putain. Faut que je m'accroche à ma chaise là. Je pense que je vais m'envoler avec le truc. Ah putain, c'est trop bien! C'est le truc dont je me souvenais, c'est qu'il y avait un moment qui était trop ouf. Ah, franchement, ça ambiance ce truc quand même. Et là, le espèce de couplet, ou je sais pas si c'est le refrain, il est beaucoup plus lent en fait. Le gars, il va pas aussi vite que l'électro derrière. Du coup, ça fait un mélange super intéressant. Non, mais imaginez ça en titre de K-pop, un groupe qui fait ça avec le côté bend un peu effacé et on retire tous les blancs. C'est un tube. Enfin, déjà là, c'est un tube. Mais je veux dire, si c'était fait par un groupe de K-pop. Ce groupe de K-pop exploserait grâce à cette chanson. Ah,
Espèce de gros solo de guitare de fou là. Bon, ça c'est un peu long avant que ça pète. Pas besoin que ce soit aussi long. Putain, mais t'entends ça en soirée, genre en boîte et tout. Moi je saute de partout, je danse de partout, je pousse tout le monde, je vais au milieu et puis je fais ma vie quoi. Non, faudrait qu'il y ait des trucs comme ça un peu plus souvent parce que entre tous les trucs mou du cul là. Ça c'est pas mou du cul quoi, vous voyez, il se passe des trucs, ça défonce, c'est assumé. C'est pas genre on va essayer de plaire un peu à tout le monde. Vaut mieux déplaire à beaucoup de gens et être adoré par beaucoup de gens plutôt qu'essayer de plaire à tout le monde. Parce que essayer de plaire à tout le monde c'est finir quelque part au milieu et personne n'a envie d'être au milieu quoi. Bon, par contre, la chanson est très longue. Moi, j'aurais coupé à certains endroits pour la rendre plus dynamique parce que là, je crois qu'elle dure combien en fait? Ouais, elle dure 4,55 quoi. 5 minutes de bruit, même si c'est du bon bruit. C'est quand même 5 minutes où, enfin, genre, ils auraient pu au moins le réduire à 4. Bon, et bien, c'était Trax avec Escape. Bon, comme vous l'avez compris lors de la réaction. Pour résumer, je trouve que c'est un peu trop long en point négatif, mais c'est quasiment le seul point négatif. Ah si, et aussi le quand ça monte pour l'espèce de drop électro, c'est un peu long quoi. C'est-à-dire que le build-up, il est un peu genre on sent que voilà, on construit, et puis là, on pourrait déjà mettre le chapeau, mais en fait non, ils construisent, et en fait ça change rien qu'ils le mettent avant ou après en fait, c'est juste plus long. C'est peut-être ça que je ferais un peu d'edit sur cette chanson pour la rendre vraiment plus efficace que ce qu'elle est déjà, mais pour moi c'est une super chanson, j'ai bangé ma tête comme un fou, en plus j'ai tellement l'air idiot avec ma bergère là, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est vraiment bien, franchement, j'espère que pour ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir ça grâce à cette vidéo, parce que franchement, c'est une chanson qui mérite un peu plus de bruit, un peu plus de vues, et un peu plus de reconnaissance, et je pense que c'est un peu pas mal de faire du K-Rock au lieu de faire de la K-Pop. Il me semble que c'était Yuhoon qui m'avait envoyé cette chanson, donc si c'est toi, j'espère que je ne me trompe pas, sinon je vais te faire défoncer. Si c'est toi, bah grand merci, parce que c'est super chouette, et je suis content d'y avoir réagi, et vous, et toi. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Comment t'as trouvé ce truc, tout simplement, ce mix bizarre d'électro et de rock? Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires YouTube, mais aussi sur Twitter, Amino, Instagram et Sming. Sming, c'est là où je fais des lives. Amino, c'est là où la Yusan Unit se réunit, donc fait partie de la secte. Bon, ça fait bizarre de dire ça, c'est pas une secte, mais vous avez compris le délire. Et surtout, n'oubliez pas de voter pour le chart de la Yusan Unit. C'est le chart où vous pouvez voter pour vos chansons préférées. Et je fais un top 20 chaque semaine avec vos chansons préférées. Le lien est en description. Pour moi, en tout cas, ce sera tout. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.